Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici tout de suite le grand titre. Il y aura bel et bien élection cette année. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a confirmé lors de sa prise de parole à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis. La 9e édition du Forum Makuta Noteni à Abidjan se clôturait ce jeudi 21 septembre 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a représenté la République démocratique du Congo. Réveillez-vous, vous qui dormez, le chef de l'État a de nouveau confirmé la tenue des élections en fin de cette année. Une confirmation faite devant le monde entier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Suivez. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales, ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Et puisqu'on parle du discours du chef de l'État devant la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré sa décision, la décision de son pays, celle d'entamer aucun dialogue avec le M23. Le président congolais qualifie d'inacceptable le fait que les auteurs du malheur de Congolais ne soient pas punis, malgré tout le rapport accablant des experts des Nations Unies. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023 sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale, reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel, des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles
au Congo. Ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Pourquoi faut-il que la MONUSCO se retire en décembre 2024? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle de la politique de deux poids, deux mesures que l'ONU affiche face aux problèmes sécuritaires dans le pays d'Afrique. Regardez. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'est pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Et la question du réchauffement climatique a également attiré l'attention du chef de l'État dans son discours devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a demandé à l'ONU d'apprêter son attention aux revendications des pays africains pour qu'ensemble, le monde entier mette fin à ces problèmes. Regardez. La République démocratique du Congo demande aux Nations Unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre, mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable
et des prises incitatives tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue, déterminée, comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires, l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. Autre chose à présent, à l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis pour la première plénière après les vacances parlementaires le mercredi 20 septembre 2023 pour examiner et adopter le projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2023. Regardez. Quelques jours après la rentrée parlementaire, les élus nationaux ont tenu la première plénière le mercredi 20 septembre 2023. Première plénière de cette session, d'ailleurs la dernière de cette mandature et la plus courte selon le calendrier électoral. Le seul point inscrit à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2023 et la répartition des matières en commission. Après débat, le projet de calendrier a été adopté, mais avec une spécificité, il reste ouvert et ces matières seront programmées par ordre chronologique selon le besoin. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière adopte le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023. Il s'y est de noter qu'après l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2023, le vendredi 15 septembre, la conférence des présidents s'était réunie le lundi 18 septembre pour adopter le calendrier des travaux. Ce débat sur les calendriers de cette session porte sur 5 rubriques, à savoir les matières non législatives parmi lesquelles il y a l'examen du rapport annuel d'activité de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le contrôle parlementaire et budgétaire, l'examen du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires récents, etc. La deuxième rubrique concerne les matières législatives. Il s'agit des textes des lois transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Parmi elles, on cite, entre autres, le projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes. La troisième rubrique est celle relative aux arriérés législatifs. Il s'agit par exemple de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise portée par le député national Nsingi Pouloulou Servo Pichou. Et enfin, la quatrième rubrique contient des nouvelles matières comme le projet de loi de finances de l'exercice 2024, projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2022, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/012 du 13 mars 2023 portant autorisation de prorogation de l'état de siège et enfin le projet de loi portant ratification des ordonnances prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement. À cet effet, 7 projets d'ordonnance ont été réceptionnés. Pour rappel, les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle depuis le vendredi 15 septembre 2023. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Ce jeudi 21 septembre 2023, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a reçu en audience le nouveau ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité en République démocratique du Congo. Objectif, renforcer les relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo.
En visite de courtoisie à la République démocratique du Congo, le nouveau ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité en RDC, Rosanne de Bilderling, a été reçue en audience par Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Des personnalités ont évoqué les questions bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo. C'est avant tout une visite de courtoisie. Donc je suis nouvellement arrivée en République démocratique du Congo. J'ai présenté mes lettres de créance au chef de l'État le 31 août et donc maintenant je rends mes visites de courtoisie aux autorités et donc évidemment le président de l'Assemblée nationale. D'autant plus que c'est un moment crucial puisqu'il y a une nouvelle session qui s'est ouverte. J'ai participé d'ailleurs à la cérémonie officielle d'ouverture et donc nous avons évoqué ensemble ce qui est à l'agenda de cette nouvelle session, cette dernière session en fait sous cette législature. Elle est particulièrement importante parce que c'est la dernière avant les élections de fin d'année et donc il faut, si j'ai bien compris, que le Parlement clôture son budget mais aussi termine le travail législatif qui a été entamé. Donc il y a toute une série de projets importants qui sont sur la table et nous avons échangé avec le président sur ces projets. Nous avons évidemment évoqué aussi les relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo, qui sont des relations inscrites à la fois dans notre histoire commune, mais aussi et surtout dans nos projets communs pour l'avenir. Pour sa part, Christophe Mbosso s'est attardé sur le calendrier de la session. À ses yeux, la session est très importante car c'est une session budgétaire. À la même occasion, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a salué le propos tenu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de l'ONU. Je l'ai annoncé au sommaire, clôturé ce jeudi 21 septembre 2023 de la 9e édition du Forum Makuta Noteni à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présenté au cours de cet événement la République démocratique du Congo comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tous les secteurs sociaux et économiques. Regardez. Devant son homologue ivoirien et des membres de son gouvernement, des directeurs généraux, des entreprises et des représentants du secteur privé, de la RDC et de la Côte d'Ivoire, et sans oublier plusieurs personnalités et décideurs du secteur économique, Jean-Michel Samalou Kondé a d'entrée de jeu rendu un vibrant hommage aux deux chefs d'État, à l'occurrence le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le président Félix Tshisekedi de la RDC. Pour leur ferme engagement à œuvrer continuellement ensemble et de manière concertée en faveur de l'intégration du continent. Et c'était aussi pour moi à l'occasion de cette venue où nous sommes venus encourager bien sûr le secteur privé qui a un forum ici de rencontre d'investisseurs tant de la République démocratique du Congo que de la République de Côte d'Ivoire et finalement du continent africain, ici à Abidjan, ville sœur de la ville de Kinshasa. Et une occasion aussi de poursuivre en fait, les discussions que nous avions déjà engagées, c'était à Kinshasa à ce moment-là, à l'occasion des Jeux de la Francophonie, où nous avions eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Patrick Hachi, qui représenter le président Alassane Ouattara à cette grande rencontre francophone. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expériences, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Pour lui, les assises de Makutano sont les lieux idéaux pour renforcer le partenariat public-privé et saisir des opportunités économiques et sociales de part et d'autre et dans le cadre de partenariats stratégiques gagnant-gagnant. Pour la télévision de la République du Congo, je ne vais pas reprendre donc les propos de mon frère sur bien sûr, le renforcement des relations entre nos deux pays à travers nos deux chefs d'État respectifs. Il en a déjà fait écho. Mais dire que quand on regarde effectivement le monde francophone sur le continent africain, la Côte d'Ivoire et le Congo
sont certainement deux centres névralgiques essentiels qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent tout en faisant bénéficier leur population des avantages de ces acquis-là. Signalons que cette 9e édition de ces grands rendez-vous économiques d'affaires tourne autour de l'émergence de la nouvelle génération en matière des échanges commerciaux intra-africains. C'était un reportage de Roger Matadi. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, au cours du cadre de concertation organisée mercredi 20 septembre 2023 à la salle des spectacles du Palais du Peuple, invite les mandataires de partis politiques et regroupements politiques à s'impliquer davantage dans le civisme électoral de leurs électeurs pour une large inclusivité du processus électoral. Encore une fois, Roger Matadi. C'était au cours du cadre des concertations organisées avec cette composante à la salle de spectacle du Palais du Peuple. Accompagné de membres du bureau et de la plénière de la CENI, le président Denis Kadima Kazadi a rappelé à l'assistance le caractère irréversible des élections de décembre 2023. Des élections de décembre 2023. Nous sommes en train de vous donner des éléments d'information pour que vous soyez bien préparés à cet exercice. Donc nos experts vont vous entretenir aujourd'hui sur un certain nombre de sujets et surtout les dispositifs électroniques de vote. Et nous vous encourageons, nous allons tout au long de cet atelier ou bien ce cadre de concertation, vous encourager à vous impliquer dans l'éducation électorale de vos militants. Cela bien entendu sans engager dans une campagne électorale anticipée. De son côté, le deuxième vice-président Didi Manara a mis l'accent sur la détermination de la CENI à respecter les délais calendaires avant de revenir sur les différentes matières du jour. Le thème de ce jour, consacré aux différents exposés sur les étapes opérationnelles du processus électoral qui vont nous amener à l'organisation des scrutins combinés, présidentiels, législatives nationales, députation provinciale et élections communales vont à coup sûr éclairer votre lanterne en vue de la prise de conscience de l'effectivité de la tenue des élections dans le délai fixé par la loi fondamentale. Par la suite, les participants ont suivi avec une attention soutenue les explications des experts de la CENI concernant les concepts des listes. Au bout du compte, la partie interactive a éclairé la lanterne de l'assistance au regard des différentes préoccupations soulevées. Toutes les préoccupations des participants ont été rencontrées à l'issue de cette activité. Place au rappel des principaux titres. Il y aura bel et bien élection cette année. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a encore une fois confirmé lors de sa prise de parole à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis. La 9e édition du Forum Makuta Noteni à Abidjan s'est clôturée ce jeudi 21 septembre 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a représenté la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.